Née soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ces martyrs se sont engagés des années durant dans de rudes épreuves de militantisme politique sans jamais fléchir ni se décourager pour que triomphent les idéaux de démocratie et de paix. Ils se sont battus farouchement pour l'avènement d'un véritable changement dont nous sommes fiers aujourd'hui, reflété par un état de droit respectueux des libertés individuelles et collectives. Nos militants qui ont subi ces exactions ont même parfois payé le prix fort pour que la Guinée s'inscrive dans le camp de la justice sociale avec le respect du statut de peuple souverain. Leur noble combat nous inspire et guide aujourd'hui nos actions pour la nation. Nous ne les oublierons jamais. C'est pourquoi, chers camarades, militantes et militants, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence à leur mémoire, mais aussi à la mémoire des victimes récentes de la pandémie de la COVID-19. Je vous remercie. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, les leaders et représentants des partis alliés et ceux de la coordination démocratique pour le changement, dans la continuité, nous vous remercions très sincèrement de votre présence effective à nos côtés en ces instants solennels pour qu'ensemble nous écrivions à l'aide de lumière une nouvelle page de l'histoire glorieuse de notre parti, le RPG arc-en-ciel. Votre engagement avec constance et détermination depuis de nombreuses années dans la lutte pour une Guinée démocratique mérite respect et admiration. Votre présence à cette convention traduit aussi l'excellence des relations qui existent si heureusement pour nos formations politiques respectives. Je voudrais vous donner l'assurance au nom de la direction nationale du RPG, que nous apprécions à sa juste valeur ce partenariat fécond au service de notre nation. Camarades responsables du parti, délégués régionaux, militants d'ici et d'ailleurs, jeunes et femmes en provenance de toutes les régions du pays et ceux venus de l'extérieur, nous vous adressons nos vives félicitations et nos sincères remerciements pour vos efforts quotidiens, chacun en ce qui nous concerne, pour que triomphe notre grand parti. Militantes et militants du RPG arc-en-ciel, mesdames et messieurs, chers camarades, la présente convention du parti se tient à un moment très particulier, où la Guinée est mobilisée avec toutes ses forces dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, et cela dans un contexte marqué parfois par des violences politiques regrettables, récurrentes, et la montée de l'intolérance dans des proportions inquiétantes. C'est un combat difficile. Je ne doute pas cependant un seul instant que nous en sortirons victorieux. Nous sommes un parti gagnant au sein d'un peuple courageux. L'adversité est à notre portée car nous sommes du côté de la vérité, sous le leadership avisé du professeur, à son excellence, Monsieur le Président de la République.
le professeur Alpha Condé, pour le chemin parcouru, les progrès démocratiques et économiques réalisés dans la décade de sa gouvernance. Nous sommes en mesure de dire, sans aucun risque d'être démenti, que les 10 dernières années de la gouvernance Alpha Condé ont marqué le décollage économique de la Guinée. Avec le professeur Alpha Condé, nous avons amorcé la matérialisation d'une grande ambition industrielle. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'unités industrielles sont créées, ça et là, dans le pays. Une impulsion sans précédent du secteur minier a été observée avec plus de 10 milliards de dollars américains d'investissement réalisés. 17 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects créés dans le secteur minier. Ce faisant, la Guinée s'est hissée sous la gouvernance du professeur Alpha Condé au deuxième rang mondial des exportateurs de bauxite. Avec le professeur Alpha Condé, la capacité de production énergétique a connu un bond sans précédent par la réalisation des barrages hydroélectriques Kalita et Swapiti et celle en cours d'Amaria. Nous totalisons aujourd'hui plus de 1000 MW de capacité énergétique additionnelle installée. Avec le professeur Alpha Condé, le secteur éducatif a connu une mutation profonde pour la construction de 10 000 salles de classe pour l'enseignement primaire et secondaire, la rénovation et l'extension de nos universités et la condition salariale de l'enseignant guinéen a été améliorée par plus qu'un triplement des niveaux de salaire et indemnité ces dernières années. Avec le professeur Alpha Condé, c'est le développement soutenu du secteur de la santé par la construction de plus de 200 hôpitaux et centres de santé ainsi que 38 centres de traitement épidémiologique qui ont amélioré l'offre de soins pour nos populations. Avec le professeur Alpha Condé, c'est la réussite de la politique d'autonomisation des femmes par la construction des centres CAF destinés à l'apprentissage aux différents métiers. Avec le professeur Alpha Condé, c'est le développement vertigineux de l'hôtellerie par la réalisation de plus de 300 hôtels et centres d'hébergement, dont 7 hôtels de standing international. Avec le professeur Alpha Condé, la politique de décentralisation a marqué un tournant majeur dans notre pays à travers la création de l'Agence nationale de financement des collectivités, ANAFI. Le premier bilan annuel de cette agence totalise 800 infrastructures réalisées à travers tout le pays au profit de nos populations. Avec le professeur Alpha Condé, c'est la consolidation des bases de l'état de droit et le respect des libertés fondamentales. Oui, c'est vrai, la Guinée ne compte pas un seul prisonnier politique ou d'opinion. Chers militants et militantes, aussi élogieux que soit le bilan de la gestion décennale de la gouvernance du professeur Alpha Condé, il n'est pas superflu d'évoquer
dans les grandes lignes quelques perspectives que cette gouvernance offre ou promet à la Guinée et aux Guinéens. Je voudrais évoquer la transformation structurelle du secteur agricole déjà amorcée avec un soutien financier conséquent de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement pour un total de plus de 300 millions de dollars américains. Je voudrais aussi évoquer le programme d'éradication de l'extrême pauvreté qui a débuté avec l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale et qui a pour vocation d'extraire 6 millions de nos compatriotes de la précarité à l'horizon 2025. J'aimerais mentionner également le programme d'habitat à travers la mise en place de l'Agence guinéenne pour le financement du logement en Guinée, l'AGIFI. Programme d'habitat social qui débutera avant la fin de cette année en cours pour une première tranche de 10 000 logements entièrement déjà financés et destinés en priorité aux fonctionnaires et à nos concitoyens en uniforme. Ce programme, sur instruction du président de la République, accorde la priorité absolue au système éducatif, les enseignants et au système sanitaire, le corps médical. Le système éducatif va connaître un tournant tout aussi décisif par l'accent qui sera mis sur l'enseignement technique et professionnel. Dès novembre prochain, deux écoles régionales des arts et métiers vont ouvrir les portes. Et l'année prochaine, deux autres suivront. Ce programme, comme vous pouvez l'imaginer, facilitera l'emploi des jeunes en leur garantissant une formation aux différents métiers en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Il me plaît d'évoquer aussi le programme de réhabilitation ou de reconstruction du réseau routier qui a déjà commencé et qui va se poursuivre dès la fin de la saison des pluies. Ce programme entièrement financé mettra fin à l'enfer que vivent aujourd'hui les voyageurs. Par ailleurs, le système d'électrification entrepris dans la capitale Conakry et son voisinage sera poursuivi dès l'année prochaine dans les régions du Nord, c'est-à-dire la Haute-Guinée, et du Sud, la Guinée forestière, grâce au programme régional d'interconnexion énergétique de l'Afrique de l'Ouest et la réalisation de barrages hydroélectriques dans les régions concernées. Dois-je préciser que les événements que nous avons suivis récemment en Haute-Guinée, causés et entretenus par nos adversaires, n'avaient aucune raison d'être. Parce qu'en vérité, les solutions pour l'électrification de la Haute-Guinée sont trouvées. Ils étaient en marche. J'ai parlé de l'interconnexion du programme régional. J'étais à Abidjan il y a deux semaines. Le président Ouattara m'a chargé de dire au président que le programme d'interconnexion qui doit servir à alimenter la Haute-Guinée à partir de la région de Guinée, ce programme sera en marche. Avant mon départ d'Abidjan, il m'a envoyé le ministre de l'Énergie qui m'a confirmé que n'eût été la COVID, ce programme devrait finir en juin
avec la COVID, ils sont en train, lui et sa collègue ministre de l'énergie, ils sont déjà en contact, de réveiller le programme et pour garantir l'interconnexion avant le mois de mars 2021. C'est un programme régional financé. Ce n'est pas une promesse de campagne, c'est une réalité. Par ailleurs, devrais-je préciser que Fomi, l'un des grands parages de la Haute-Guinée, est également en voie d'être réalisé. Nous travaillons déjà sur le financement. Ceux qui ont suivi mon passage en Côte d'Ivoire, il y a un an, à la rencontre du président de la BAD à Dessina, qui ont suivi les conclusions de notre rencontre. Ces conclusions ont noté que la BAD, à la demande du président Alpha Condé, soutient le projet FOMI et dégage déjà 50 millions de dollars pour un début de réalisation. Ce sont des réalités, ce n'est pas des paroles de campagne électorale. Le programme énergétique de la Guinée est sous contrôle. Aucune zone ne sera ignorée. Toute la Guinée sera électrifiée grâce au programme du professeur Alpha Condé, notre champion. Il me plaît d'évoquer par ailleurs s'offre à la Guinée pour réussir son émergence économique grâce au leadership éclairé du professeur Alpha Condé. En effet, après le défi relevé du décollage économique de la Guinée, que reflète la croissance forte de notre économie, nous assistons à la mise en place de solides fondations de l'émergence économique de la Guinée qui permettra aux populations de bénéficier davantage des fruits de la croissance économique robuste. Militants et militants du RPG, je vais pour conclure en rappelant que les présentes assises nationales du parti doivent nous permettre de désigner le candidat de notre parti à l'élection présidentielle du 18 octobre, de tirer les leçons de nos résultats électoraux des dernières élections référendaires et législatives du 22 mars dernier, d'élaborer une stratégie pour l'élection présidentielle et relancer la communication nationale et internationale du parti de manière à freiner ou endiguer la désinformation. Je souhaite à toutes et à tous un bon déroulement des assises de la présente convention. Je forme le vœu ardent que ces assises répondent aux attentes des militants du RPG, arc-en-ciel, et des populations guinéennes dans leur ensemble. Les décisions et recommandations auxquelles vous parviendrez serviront, j'en suis sûr, de bréviaire à tous les animateurs, responsables et militants du RPG arc-en-ciel. Mesdames, Messieurs, chers militants, c'est le point de départ aujourd'hui d'un nouvel avenir prometteur et radieux pour la Guinée et les Guinéens. Et nous sommes fiers, nous ensemble, nous sommes fiers d'être les vecteurs de cette nouvelle espérance pour notre pays et pour notre peuple.
C'est précisément sur cette note d'espoir que je déclare, avec votre permission, ouvert les travaux de la convention de notre grand parti, le RPG. Vive la Guinée, vive le RPG arc-en-ciel, vive la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, vive notre champion, le professeur Alpha Condé. Je vous remercie de votre attention.